Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bon visionnage! Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour un 14e épisode de Zelda Twilight... Oh putain, j'arrive plus. Ça commence bien. Twilight Princess HD en Hardcore Challenge, bien évidemment. Donc, dans l'épisode précédent, on avait fini Celestia, un donjon que j'aimais pas spécialement. Et pourtant, je n'ai pas perdu de vie, donc très content. J'espère que ça va continuer, parce que là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Même si elles ont déjà commencé depuis un moment, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Alors, par contre, il faut que j'aille où, là? Alors, attendez. Déjà, je vais scruter un petit coup. Normalement, il me semble qu'il faut que j'aille directement au... vers la chambre du miroir, à la tour du jugement. Non, c'est pas comme ça. Alors, attendez, la tour du jugement, elle était où, déjà? Là, hein. J'ai pas de petit drapeau qui m'indique où je dois aller. Ah ah. Ok, très bien. Nope. 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 Bon, de toute façon, je vais me téléporter à la tour du jugement. Vous savez quoi? Parce que je vois pas où c'est que je pourrais aller d'autre. Hein. La tour du jugement qui était... Eh, où, cette tour du jugement? Là? Non? Non, 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 non. Ça, c'est en amont. Putain, je suis perdu. Attendez, ça, non, ça c'est... Ah bah si, là, 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 là. Ok. Oui. Ok. Waouh, bah décidément, cet épisode commence très fort. Moi, je vous le dis. J'arrive pas à parler. Je sais pas où je dois aller. Alors. Très bien. Alors, est-ce que ici faut faire quelque chose en particulier? Oui, non, rien de spécial. Juste aller là. C'est magique. C'est magnifique, c'est magique. Le monde des ombres. Eh oui, ma petite Midona. On va aller te venger, on va aller voir Xanto. Je sais pas trop comment ça se prononce vraiment. Les sages. Pauvre Midona qui vient un véritable enfer avec ce type. Alors, c'est vrai qu'au début, elle paraît froide et puis pénible. Hein. On est bien d'accord. Et puis au final, ça s'est adouci avec le temps. Et c'est vrai que maintenant, elle fait peine à voir. Voilà. En fait, c'est une personne bien, Midona. En fin de compte.
C'est juste qu'elle s'est fait trop influencer par ce blaireau de Xangto. Eh, ça rime en plus. Eh ben d'accord, allons-y alors. Voyez. Alors, ce qu'il faut faire, bah, tout simplement, hein. Entrer. Et là, on arrive carrément dans le monde du crépuscule. Un donjon, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Alors, palais du crépuscule, voilà. Et alors là... Ouais. Ne m'en veux pas, mais non, je t'en veux pas, Midona, t'inquiète pas. Alors, eux, comment que ça se passe? Est-ce qu'il faut que je les bute? Ou pas? Ah, ok, bon, ce ne sont pas des ennemis, d'accord, très bien. Oui, parce que, alors, c'est vrai que, eux, ces créatures de l'ombre, là, du crépuscule, ce sont en fait des êtres humains, comme, bah, comme Link, hein, comme Zelda, comme, voilà. Et, qui ont été... sous l'emprise de Xangto d'ailleurs. Alors comment faut que je fasse déjà? Je me rappelle plus bien. Alors là c'est vrai que c'est un donjon qui est très sympa d'ailleurs, avec un combat contre Xangto qui est très 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 intéressant, mais que je redoute beaucoup. Parce que Xangto, voilà, il est pas là pour faire de la figuration, on est bien d'accord. Mais alors je pense qu'il faut pas que j'aille au milieu tout de suite, hein. Faut déjà que je commence par les côtés du donjon. Je vais aller voir. On va déjà commencer par ici, tiens, je peux y aller. Voir un peu ce que ça donne. Par là. Alors. Alors, on va faire très attention parce que j'ai une potion, mais comment il faut que je fasse si je veux... Si je veux me régène par exemple. Si je veux aller récupérer des potions. Mais va te faire foutre. Saleté, va. Dégage, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Purée, salope. Mais tu m'emmerdes toi aussi là. Oh là là. Je vous dis, cet épisode commence très bien. What fuck. Oh, mais il fait mal. Putain, mais c'est horrible ce truc là. Dégage. Ouah, mais il fait mal lui. Deux cœurs en moins, oh. Alors, dis-moi que c'est la map. Non, c'est pas la map. Merde. Ah, une petite clé, bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. Non mais attendez, première pièce. J'ai déjà perdu 4 cœurs, 1 corps. Saleté. Sale bête. Bon, ok. Je retire ce que j'ai dit. Première pièce, j'ai déjà perdu 5 heures. Ça vous va? 5 heures sur 10. La moitié. Ok, bon.
Faut que je me ressaisisse. Là, ça va pas aller. Très clairement, ça ne va pas aller. Vite que je récupère de la potion. Ah ouais, non, mais c'est... je redoute beaucoup, hein, c'est pas pour rien. Alors, je vais prendre des rubis parce que si je dois récupérer plusieurs fois de la potion, je préfère avoir du stock de rubis. Très clairement. Donc, la petite clé, effectivement, qui me sert à aller ici. Vous voyez. Oh là là, c'était quoi? Oh non, mais ils m'emmerdent, mais eux, ils sont partout, eux, là. Oh là là. Ok. Je me rappelle plus. Est-ce qu'il faut que j'aille en Link Lou? Ou est-ce qu'il me faut la torche? Et alors, je vais essayer la torche. Ah non, c'est en Link Lou. Fais très attention, Link. Ce brouillard noir que tu vois est fait de cristaux d'ombre créés par Xangto. Ils étouffent la lumière. Ok. Oh. Ok. Très bien. Il est où? Là. Ouh putain. Faut que je fasse gaffe parce que lui il fait mal. Hein. Encore un coffre. Ça va peut-être être la carte là, non? Oh putain, deux coffres. Merde. Bah la carte, une petite clé alors, non? Je vais aller voir ça. Wouah! Mais oh, ça arrive souvent qu'il... Non mais attends, ma vie là. Ok, bon. Comment vous dire? Va falloir que je pense faire beaucoup d'aller-retour, à mon avis. Donc ça c'est la carte. Très bien. La boussole. Alors l'autre coffre, ça doit être la carte. Non. Petite clé. Alors j'ai la boussole mais j'ai pas la carte. Ah ouais? Étrange. Bah ma vie on a pris un sacré coup. Hein. Je pense que là on est bien d'accord qu'à mon avis je risque de perdre des vies. Et j'espère vraiment... que ça ne sera pas toutes mes vies. Mais pourquoi il s'ouvre pas? Ah bah voilà. Je vais prendre ma potion, hein. Il me reste que deux cœurs. Je vais prendre ma potion. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais prendre ma potion et puis s'il faut ressortir, tant pis, je ferai des allers-retours. Oh non. Oh non, ce truc là. Oh là là. Putain, c'est chiant ça. C'était quoi déjà qu'il fallait faire ici? Là, j'ai un vague souvenir. Je me souviens des pièces, des ennemis. Mais par contre, j'ai du mal à me souvenir de ce qu'il faut faire. En tant qu'énigme. Alors là, non, je vais avoir des ennemis là. Ouais, c'est ça. Je vais avoir des ennemis. Il faut que je tape la main. Elle a un truc au milieu de la main. Ça me fait penser un peu à Bongo Bongo, vous savez, dans. Ah non, ça n'a rien à voir. Oula, c'est un spectre. Bah oui, bah voyons. Oh là là. Ah ouais. C'est pas cool. C'est pas cool. Oh là là, tout ça? Non. Alors, attends, on m'a pas prévenu qu'il y aurait autant d'ennemis. Va te faire foutre. Toi, je te bouffe.
En fait, en link loose, c'est beaucoup mieux. Ah putain, là j'ai de la chance, il a spawn sur moi. Wow, wow, vite! Wow, mais fuck, ma vie, elle descend. Un truc de malade. Putain, c'est bon. Je vais... Là, je finis cette partie-là. La partie est. Et je vais très clairement, mais très clairement, ressortir prendre la potion. Parce que là, vraiment... C'est horrible. C'est horrible. C'est... Attends. Cette orbe lumineuse est la source de lumière de notre monde. Nous appelons un astre. La même chose que le soleil dans vos, dans ton monde, Link. Pour bien, énergie, ta brute. Sur Exo, ramener un astre du crépuscule après. Ok. Est-ce qu'il faudrait que je fasse quelque chose avec ce machin là? Ah oui. Exact, et puis la main, en fait, elle va vouloir le... Ok, très bien. Ouais, regarde. Et en fait, la main, elle va me courir après. Cette saleté, là. Je m'en souviens de ça. Putain, c'est horrible. Et comment ça se fait que j'ai... Yes. Ok. Je m'en souviens de ce truc, très bien. Ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, attends, 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 attends. Faut que je me concentre. Je vais pas trop parler, je vais essayer de me concentrer un peu. Parce que j'ai pas envie que cette main elle vienne me faire chier, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, normalement. Putain, elle est déjà là. Eh, oh non, mais ça, c'est abusé. Elle était vachement loin derrière, faut pas exagérer là. Moi, je suis pas d'accord. Ouh. Attends, comment je fais pour partir, moi? Alors, attends. Faut que je recommence. Ah non, mais d'accord, j'ai compris. Ah putain, fuck. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un coffre qui est ici qui n'est pas apparu? Je comprends pas. Bon, faut que je recommence ça. Ok. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais. Eh oui, nous n'avons pas le choix, il faut recommencer, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est tout à fait normal. Ah merde, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Très bien. Non mais je vous dis, cet épisode va être chaud, mais très très chaud.
Mais je crois que la main, si je lui file un coup de grappin, normalement, la main, elle la relâche, un coup de grappin ou un coup d'épée même. Oui, je connais le procédé, t'inquiète. Tiens, donne-moi ça, connasse. Et va te faire foutre. Mais va te faire foutre bien profond. Je suis vulgaire, mais... voilà quoi, on est d'accord. Hop, 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 hop. Regarde, elle est même pas partie, hein. Elle a toute la pièce à traverser. Je vais passer la porte, et tu vas voir que... Bah, dans 10 secondes, elle est là, même pas. Dans 5 secondes, tu vas voir, regarde. Ok, 1, 2, 3, même pas, 3 secondes. Peut-être pas exagéré là, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Hop, 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 hop. Allez, grimpe. Non! Tu déconnes là? Putain, mais c'est une blague! Ah non, mais moi je vais m'énerver là. Putain! Ah, ça va me rendre fou ce truc. Ça va me rendre fou. Mais ça va me rendre fou. Déjà que j'ai plus de vie là. J'ai fait 3 pièces. Je n'ai plus de vie. J'ai gaspillé une potion et j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. En gros là. Putain, donne-moi ça, sale connasse. Bon, ça m'agaçait. Alors, est-ce qu'avec l'arc, je peux éventuellement en faire quelque chose de cette merde là? L'épisode va durer 2h30, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, mais ça va pas être de la tarte, hein, très clairement. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ce défi là? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Oh non! Ah bah c'est bon, je suis cuit là. Là je suis cuit. Ah putain! C'est bon, prends là ta boule, va, sale conne. Vas-y, reviens ici, mais reviens bien ici. Merde. Ah, d'accord. Ça, ah, ok. Alors, ben, j'ai ma petite idée. Vas-y, viens là. Vas-y, viens, 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 viens. Ah mais attends, il y a un coffre là-bas. Alors, j'ai pas éteint mon truc, mais c'est pas grave.
Elle est où? Wop. Ouh. Elle fait du bien celle-là. Oh putain, la fée, elle fait grave du bien. Ouh. Ah oh, putain non, déjà, mais c'est abusé ça. Ok. Ouah putain, mais elle est déjà au-dessus de moi. Putain, heureusement que j'ai eu la fée. Lâche-moi, sale pute. Lâche-moi. Lâche-moi. Mais va te faire foutre. Lâche-moi. Donne-moi ça, toi. Toi, dégage. Toi. Toi, redonne-moi ce truc. S'il te plaît, c'est à moi, ça. Voilà. J'ai plus de flèches, mais de toute façon, je vais ressortir acheter de la potion. Et puis, en même temps... Je vais pouvoir aller récupérer de la vie. Vite, 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 vite. Je me barre, je m'en fous, je me barre. Ouh. Ah bah dis donc. T'as une demi-heure pour l'aile est. Non mais t'y crois toi? Puis il reste l'ouest à faire, puis la partie centrale, et puis Xangto hein, derrière. On n'est pas rendu, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouh. Ah ça va être quelque chose. Ça va être vraiment quelque chose. Alors est-ce que ça, faut y placer ici? Non. Faut y placer où ce truc? Ah là, non. Oui. Alors. Yes. Alors, je vais sortir. On est d'accord. Je vais aller chercher une potion et je vais avec des flèches aussi par la même occasion. Et je vais revenir. Non mais faut que je fasse ça parce que si je fais... Ça va prendre du temps mais vraiment ça m'évite de perdre des vies quoi. Parce que là... Là c'est abusé. On va aller à CAC. Je sais qu'il y a de la potion là-bas. Et je peux même me régénérer dans la source. Eh ben ça va pas de la tarte. Heureusement que j'ai plein de rubis. Je peux acheter plein de potions, je m'en fous, tu vois, à la limite. Waouh, 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 ce truc de ouf. Ce truc de ouf. J'achète. Tiens. Alors attends, là normalement je dois pouvoir
me retéléporter ici, je pense. Ouais, parce que là, j'étais devant les regards. Ah, attends, c'était ici. Ouais, non, ça va pas être simple, hein, vraiment là. Là, je pense que vous allez rigoler. Et puis moi, je vais pleurer. Putain, ça va être quelque chose. Alors, on y retourne. Première fois qu'on sort. On a fait un tiers du machin. Et encore, un tiers, je suis gentil, je crois. Un quart, voilà. Putain, mais j'ai pas la carte. Elle est où la carte? Alors déjà mon orbe est toujours là, donc déjà c'est pas mal, vraiment. Alors là je peux aller ici. Oui c'est ça. Très bien. Très bien, très bien, vous voyez. Alors la carte, je pense qu'il y a un coffre à droite où je suis pas allé. À mon avis, si ça se trouve, elle était là-bas. Enfin, c'est pas mon avis. Si ça se trouve, c'est elle. Je pense qu'elle était là-bas. Parce que on a eu la boussole et puis on n'a pas eu la carte. C'est bizarre. La carte, elle est pas après la boussole. Hein. Elle est forcément avant. Donc normalement, elle aurait dû être par là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, j'ai oublié les flèches. J'ai oublié les flèches. Bon. C'est pas grave. J'aime pas bien le délire ici. Ah oui, oh putain. J'aime pas bien le délire. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, vas-y, reviens là. Très bien. Y a pas une prise à grappin quelque part? Oui, bien sûr qu'il y a des prises à grappin. Très clairement. Par contre, ouais, il y a des coffres. Alors là, par contre, ceux-là de coffres. Est-ce que je peux aller là? Bien sûr que je peux aller là. Voilà, tout simplement. Tout simplement, vous voyez. Ça a activé ces machins ou comment que ça. Ah non! Ah non, hein, tu vas pas venir m'emmerder, toi. Hein. Fuck! Non mais la blague. Je traverse ou tu spawns devant moi, quoi. Ah, il m'a fait tomber en plus. Crétin, triple andouille. Non mais, eh. Hey. Pas exagéré, non? C'est déjà assez la galère comme ça. Ouh, il est pas passé loin, lui. Vite. Vite. Oh. Putain, évidemment, je me la prends. Alors, le fait que ces trucs ils bougent, moi ça m'arrange, tu vois. Putain, tu spawns là, toi? Va te faire foutre. Je t'emmerde. C'est clair, non? Tu peux pas spawn devant moi? Oui, voilà. Très bien. Non, la flèche ne lui fait rien. Voilà, bon, à la rigueur, c'est très facile à esquiver ce truc-là. Là, il y a des rubis. Oui, très bien. 50. Bah, c'est bien, ça me rembourse ma potion. Et ça me complète ma bourse. Voilà. Dégage. Ok, nice. C'est quoi ça? Une petite clé. Logiquement. Non, ne dites rien, s'il vous plaît, ne dites rien. Y a rien à dire. Il y a clairement rien à dire. Bon, au moins je l'ai battu. Donc déjà, c'est déjà pas mal.
Alors attends, restons positifs. Hein. Bien d'accord. Et puis je n'ai pas perdu trop de vie. C'est surtout ça le point le plus positif. Hop là. Anda. Andaki. Hop là. Hop. Putain, côté. Là, c'est juste moi qui n'ai pas doué, bien évidemment. Ah, j'ai pas le même skill que dans Ocarina of Time, hein, on est bien d'accord. Hein. J'en chie là, hein, mais on est bien d'accord. Très bien. Alors attends, viens là. Mais vas-y, exagère pas. Vite, saute, très bien. Saute. 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 Saute et c'est raté, encore une fois. J'espère que vous vous endormez pas, hein, les gars. Avec ce skill exceptionnel, j'ai envie de te dire. Ça, ça s'appelle du speedrun. Moi, je te le dis, ça s'appelle du speedrun, ça. Du speedrun, champion du monde de lenteur. Celui qui a fait le plus gros temps. It's me. Oh yeah. Alors, champion du monde des derniers, wesh. C'est... Hop là. Hop là. Hop là. C'est bon! Ça y est! Ah non, j'ai pas passé la porte encore. Je n'ai pas passé la porte encore, attends. Mais... Ok, d'accord. Donc si je prends pas la petite clé, forcément ça n'ira pas. Pour ouvrir la porte, on est bien d'accord que ça ira pas. Les amis, je vous assure, je n'ai rien fumé, je n'ai rien bu. Pas encore. Donc, je suis à jeun, là, très clairement. Je suis à jeun. Je tiens à préciser avant qu'il y en ait qui se posent des questions, parce que franchement, là, même moi, en me regardant jouer, en voyant ce que je fais, je me dis que... Non ! Mais ils m'ont fait flipper, ces cons, là ! Ah, putain, il y en a trois. Ok, 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 ok. Très bien. Alors... Je n'ai pas le choix. Vas-y, respawn eux. Toi, je vais déjà m'occuper de ton cas là-bas. Ok. Yes. Non. T'es m'ont fait flipper ces trois cons là. Mais non. Oh, t'aurais pu le dire que t'étais là, toi. Trou de balle. Ok, nice. Eh ben, dis donc. Je n'ai encore pas pris ma potion. C'est un événement. Non, mais ils sont... Ok. Non, ils sont plusieurs. Oh, putain. Mais comment veux-tu que j'y arrive, ça, moi? Ok, 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 ok. J'ai rien dit, je vais prendre ma potion. Ah non, mais... Ouh! C'est rock'n'roll, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Putain, mais ils sont combien? Allez, un de moins. Encore un de moins. Il est où, lui? L'autre là. Ok, c'est bon là? C'est bon? Pitié quoi, merde. Non mais ils préviennent pas quoi. Bah, t'as déjà vu un ennemi qui veut te sauter dessus? Coucou, je suis là, j'arrive, je vais te sauter dessus, wesh. Non.
Comment je monte, moi, là-haut? Y a pas une prise à grappin quelque part? Attends. Merde, bah, faut que j'arrive. Évidemment. Évidemment. Alors. Ah oui, par là. Ok. Ok, ok, ok. Ouais. Si on veut. Je me suis trop approché. Alors, faut que j'aille de l'autre côté. J'ai pas le choix, faut que j'aille ici. Je pense. Eh oui, bah oui, forcément. Forcément. Alors là, il y a plein de coffres. Mais il est apparu où le coffre en question? Alors, est-ce que ça serait celui-ci? Je pense. Ouh, yé, 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 yé. Reste tranquille, s'il te plaît. Pff, c'était pas celui-ci. Bon. Très bien. Là-bas, il y a des sous, mais je suis déjà au max. Ah, là, il y en a encore un. Et là, il y en a encore un. Alors, là, il y a des ennemis, donc je pense que c'est par ici. À mon avis, c'est clairement où il y a les ennemis. Non. Oh, la carte! Ah bah, elle était bien ici, alors. Bah tiens, surprise. Je pensais pas que je trouverais la carte dans un endroit pareil. Moi, je pensais qu'elle était de l'autre côté. Parce que là, du coup, ça veut dire qu'elle est après la boussole. C'est étonnant. Tiens. Bizarre. Alors là, la petite clé. S'il te plaît. La petite clé. Oui. Okay. Très bien. Très bien, très bien. Alors ensuite. Bah là. Forcément. Forcément. Non, pas forcément du tout. Très bien. Ouais, faut... Putain, faut tout recommencer. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. J'aille où, moi? Je peux pas aller là. Ici. Alors, attends. Si je vais ici et que je regarde là-bas, là, il n'y a rien pour s'agripper. Très bien. Alors, comment je fais? Attends une seconde, dehors ma carte. Mais non, mais là je reviens en arrière, mais quel con. En fait, faut bien que j'aille là-bas, quoi. Pff, non, mais d'accord, ok. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, mais si je reviens en arrière, effectivement, c'est sûr que ça va pas aller. On est bien d'accord, c'est par là qu'il faut que j'aille. Très bien. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux là. On est d'accord. Ah ben c'est clairement mieux. Y a pas photo. Oh putain. Et je n'ai plus de potion. Alors dis-moi que c'est à peu près le même truc que tout à l'heure. Je vais me mettre en ligne clou, ça va plus vite. Ça va plus vite.
Oui, c'est bien, c'est pareil que tout à l'heure. Alors, par contre, là, il va m'envoyer toutes ces merdes. Il faut vite que je les déglingue. Putain, j'y arrive pas hein, aujourd'hui. Ah! Il est où? Ça va. Oui. Alors, il se téléporte vite, mais je m'en fous, même si ça prend du temps. Voilà. Ok, nice. Yes. Bon, là, je m'en suis mieux tiré que tout à l'heure. J'ai compris le truc, donc ça va. Enfin, je me rappelais, mais le problème, c'est que faut que ça revienne, quoi, les scènes de combat. Enfin, le pattern exact, faut qu'il revienne. Moi, là, comme ça, je m'appelle pas Madame Soleil, hein. Pardon. Alors du coup, il faut recommencer le même délire que tout à l'heure. Je vois qu'il y a des pôles. Alors, est-ce que ces pôles contiennent des flèches, par exemple? J'aimerais bien qu'il y ait un peu des flèches. Tu vois le délire? Il n'y a pas de flèches. Il n'y a pas de flèches. Bah, allez vous faire foutre. Voilà. Allez, donne-moi ta merde, toi. Ok. Mais je sais pas si je peux la toucher au grappin. Non, si je prends le grappin, forcément, elle va reprendre la boule. Au grappin, à mon avis, ça fait pas son effet. Ça doit faire son effet qu'avec la flèche. Oh, pop, 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 pop. On se calme, s'il vous plaît. Non, le grappin, il ne fait clairement rien. Merde! Je voulais pas la lancer. Le grappin ne fait clairement rien. Merde! Raté. Mais va te faire foutre, saloperie, va. Purée, mais c'est incroyable. Et j'ai pas envie de gaspiller des flèches pour ça, quoi, tout de suite. Hein. Tu me redonnes ça. Merde. C'est sûr que si je la mets pas au bon endroit, ça ne va pas aller. C'est reparti pour une période de gala. Heureusement que ce truc ne m'enlève pas de vie. Très clairement. Ok, nice. Donc par contre, c'est après qu'on va rigoler parce que ça me paraissait un peu plus compliqué que tout à l'heure. Mais normalement, bon, ça devrait aller parce que c'est pas le même chemin. Même si j'ai eu pas mal de prises à grappin, là, on devrait bien s'en tirer. Logiquement. Alors attends, parce qu'il y a ces conneries là. Voilà. Ok.
Ah oui, exact. Faut que je... En fait, ce qu'il faut que je fasse là, c'est... Je revienne là. Alors, c'est pas grave, à la rigueur. Faut juste que je regarde le chemin. Ok, très bien. Et là, effectivement, je vais m'en servir. Après, je vais monter là. Ouais, et puis là-haut. Non, là-haut direct. Très bien. Toi, tu me donnes ça, connasse. Oh, attends. Est-ce qu'à la limite, je peux direct monter dessus? Oui. Toi, va te faire foutre. Alors attends, elle est où la main? 1, 2, 3. Putain, mais... Ils sont combien ces merdes là? Ça me gonfle. Parce que très clairement, je vois pas trop. Là. Alors, non, est-ce qu'il faudrait pas... Justement, que j'aille... Ici. Voilà. Alors... Ah, la main, elle est kéblo quelque part, je crois. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement, la main elle est kéblo quelque part. Putain, j'ai plus que 3 coeurs de vie? Non! Tu déconnes là? Oh putain, puis ici c'est pareil, ici je vais me faire pourrir là. Ici je vais clairement me faire pourrir. On est bien d'accord. Merde. Ah, attends. Attends, 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 attends. Oui. Yes. Exact. Vite. Vas-y, fais ton effet, voilà. Très bien. Oui, exact, c'est ça. Je me dis bien qu'il y avait un truc avec ces grosses boules là qu'il y avait sur le côté. Ok, nice. Bon. Deuxième côté fait et on n'a toujours pas perdu de vie. Alors je vais, pareil, ressortir chercher de la potion, de la vie, des flèches par la même occasion. Parce que je n'ai plus de flèches. Voilà. Mais déjà, c'est une bonne nouvelle, on a fini ces deux côtés. C'est une très bonne nouvelle. Ça mérite un GG. Pas un Gérard, hein, un GG
good game, quoi. Tu vois. Non. Oh non. Non. Ouh, ça va aller là. Alors là, j'ai pas le droit à l'erreur, faut pas que je me plante. Alors je vais me mettre comme ça. Et uniquement quand on sera au-dessus, j'irai. Voilà. Putain, heureusement que j'avais 3 cœurs et pas 2 ou 1. Sinon, c'était un game over. Hein. C'est une vie en moins. Hein. Oh putain, stylé l'épée. Yeah. Et là, on a récupéré les pleins pouvoirs de l'épée. Oh oh. Alors là, ça va chier. Alors, par contre, Midona, t'es bien gentil, mais avant de continuer, moi, je me casse d'ici. Vite fait, bien fait. Je peux te garantir que là, ça va pas traîner. On est à un cœur d'une vie en moins. Un putain de cœur. Sachant que là, y a plus de dégâts. Donc, dans tous les cas, une touche, c'est terminé. Merde. J'ai déjà dû acheter 2 potions et heureusement une fée m'a régène. Attention, hein. Faut pas l'oublier celle-là. Hein. Ah non, j'ai racheté qu'une potion. Ouais, bah c'est comme si j'en avais acheté 2. En fait, la fée elle m'a fait économiser 30 balles quoi. C'est tout. Donc là, on va se régène gratos. Au moins, ça coûte rien. C'est plus long, mais ça coûte rien. Parce que je pense que je vais en avoir besoin de mes rubis. C'est tout ce que je veux dire. Ok. Donc maintenant, boutique. Alors, va falloir que j'achète en même temps des... Alors, je vais enlever déjà cette putain de torche. Je vais mettre, tiens, le boomerang. Au moins, il consomme pas de... Il a pas de munitions, en fait, le boomerang. Il est illimité. Donc déjà, c'est pas mal. Je vais... Est-ce qu'ils vendent des flèches, là? Non, je crois pas. Hein. Oh putain, où c'est que je peux acheter des flèches? Où c'est que je peux acheter des flèches? Ah, peut-être... Peut-être... Non. Pas ici. Peut-être à la montagne, non? On va aller voir. C'est la boutique Goron, là. Je suis désolé, un petit détour, hein, on perd un peu de temps, mais c'est pas grave, parce que moi, faut que je fasse le plein... Faut que je sois opérationnel. Si je ne suis pas opérationnel, je ne suis pas bien... Déjà que je joue mal, là, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, hein. Mais si je suis pas opérationnel, ça va être pire. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Tu montes, s'il te plaît? Merci, bonsoir. Très bien. Ok, nice. Oui, ils vendent des flèches. J'en vois. Enfin, je crois que c'est des flèches. Hein. Et or? Oui, ça en est. Cool. Bonjour. Oui, je veux des flèches. 10 balles les 10. Putain, un rubis la flèche.
Ouais, mais ça va, 10 balles, bon. Ça me fait 30 balles au final. Parce que je vais faire le plein complet. Ok, très bien. Je te remercie, Goron. C'est très aimable. Alors, maintenant, ben, on va retourner. Alors, par contre, je peux pas me TP ici. Il faut que je me barre de là. C'est bon, on est bien là. Enfin, on est mieux. On n'est pas bien, on est mieux. Le TP. Donc on retourne là-bas. Ah ben ça promet. Bien non, c'est pas fini là. Ouh là là, c'est pas fini là. S'il vous plaît. Merci. Allez! C'est reparti pour un aller-retour encore une fois. Jamais 203, hein, comme on dit. Forcément. Eh, faut que je fasse gaffe, hein. Parce que, imagine, j'arrive au boss, c'est-à-dire Xanto. Mais si je veux aller récupérer de la potion et que quand je reviens, il faut tout que je me retape. Comment que ça se passe? C'est ça le truc. Ça, je ne sais plus comment ça marche. Alors, je vais probablement monter ici. Oh là, eux, c'est pas des copains, eux. Ok. C'est quoi cette blague? Tu peux me la refaire? Non, on va pas la refaire, non. Alors, est-ce qu'il faut que je concentre mon énergie du genre comme ça, tu vois? Ouais, je pense. Attends, et ici? Ici, ça ne change rien. Ah oui, non, mais là, c'est encore un autre délire, là. Tu te rends pas compte, toi? C'est un autre délire. Ah, attends, oui. Ouais, c'est bon. Ok, c'était comme ça. Alors, du coup, ici. Toi, dégage. Y a rien. Ici. Il y a un fumier là. Dégage. Je vous dresse, moi. Je suis pas Xanto, moi. Je suis pas là pour faire de la figuration. Tu déconnes? Tu déconnes. Alors, ensuite. Ensuite, ensuite. Comment que ça se passe? Ah oui, alors c'est deux merdes là. Déjà, pour commencer. Voilà. Voilà. Non, oula! Y a pas que deux merdes là. C'est bon? Y en a plus? Alors, c'est bien le... Ouah! Connerie, connerie. Il y a deux orbes là à porter. Alors, ok. Non, ce qu'il faut faire, clairement, je sais. Enfin, je sais, oui, ça me revient au fur et à mesure. Hop là, toi, hop. S'il te plaît, Link, avant que ça revienne tout. Et de 1. Ouh! Mais vas-y, mais. Une blague. Le problème, c'est que malheureusement, à peine tu bouges, c'est fini quoi. Il balance ça à 3 km.
À peine tu bouges. T'as pas besoin de bouger beaucoup. Mais vas-y! Ok. Non mais c'est bon. Alors, y en a encore plein qui vont me sauter sur la gueule là, non? Ok, ça devrait aller. Toi, dégage. Ah. Ah oui. Oh là là. Ok. Alors. Oh putain. Ouais, mais à la rigueur, tu vois, bon. Je les ai eus. Voilà. À la rigueur, s'il faut ressortir encore une fois, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Parce que. Non. Je vais pas m'occuper de ça maintenant. Parce que. J'espère que c'est une petite clé. Oui. Parce que, bon, vaut mieux. Voilà. Perdre un peu de temps à ressortir, chercher une potion, que de perdre une vie. Hein. On en aura besoin très clairement par la suite. Alors du coup, on va aller là-bas. Cette merde, elle va me faire chier, celle-là, non? Dégage. Ok. Par contre, il n'y a pas Baba dans l'histoire. Hein. Il n'y a pas Baba, c'est pas possible. Dans le monde du crépuscule, il me semble pas. Alors c'est ça qui m'embête. Je vais me retaper tout le chemin. Bon, au moins les monstres ont été détruits. C'est déjà pas mal. Ici. Ah ouais, non, mais ici, très clairement. Alors, toi. Déjà, tu dégages. Toi, je vais te farcir. Putain, dégage. 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 On s'en tire pas mal. Alors ici, il me faut une petite clé, mais je n'ai plus de petite clé. Quoi? Voilà. Ok. Toi, tu dégages aussi. Alors, c'est bien parce que... Un coup, il... Voilà, il crève. Ouais, des flèches. Bien. Ok. Ah, attends. Ça me dit clairement quelque chose, ce truc-là. Eh oui. Et ici, normalement, je crois que je peux monter. Ouais, alors est-ce qu'il y aurait pas la petite clé par ici? C'est un peu olé olé là. Ah non, il y a carrément la grosse clé. La clé de la salle du boss. De la salle de Xangto, les amis. ouais. Ok. Bon, on a bien fait de venir ici. Seulement, c'est pas fini. Je vais scruter la map. Alors, Xangto est là-bas. Ok. Donc là, ok, donc faut que je prenne en fait la porte qui est fermée à clé. Donc faut que je trouve une petite clé. Seulement je n'ai pas ma petite clé. Donc vu que je n'ai pas ma petite clé,
Il y a un truc de délire là-bas, à tous les coups. Alors attention à ces conneries là. Toi dégage. Toi dégage. Toi dégage. Toi dégage. Toi dégage. Je m'en fous, ça les tue pas, ça me fait gaspiller des flèches. Mais à la limite. Mais à la limite, je m'en tape. Voilà, je suis arrivé à bon port. Je crois qu'il y a cette connerie. Ok. Je les ai eus. Ouh ! Bien. Ah, ben maintenant. Ah oui, oui, oui. Donc j'en ai tué un. Il faut que j'aille tuer les autres. Attention. Ok. Il y en a encore un. Bouge. Oh putain. Yes. Petite clé. Et là les amis, je pense ce qu'on va faire, c'est que je vais ressortir. Alors attends, j'ai ma potion. J'ai ma potion. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Je vais aller voir dans la pièce d'après. Voir ce que ça donne. Mais je vais pas aller au boss. De toute façon, on ira pas au boss aujourd'hui, c'est clair et net. Mais parce qu'il y a encore un peu de chemin et le boss va peut-être prendre du temps éventuellement. Alors ouais, voilà, il reste quand même quelques salles. Hein. Alors, il reste donc celle-ci en haut et une deuxième. Donc celle-ci en haut et une deuxième. Alors attends, comment que ça se passe? C'est une blague. Yes. Ok. Ouais, mais ça, de toute façon, on voudrait que j'y refasse. Mais au moins, les boss. Voilà, enfin, les boss. Pas les boss, mais les ennemis sont battus. Déjà ça c'est bien ça. J'aurais pas besoin de les rebattre. Non. Attends, je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais fuck. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors il y a une prise à grappin, mais c'est vachement haut. À moins qu'il y en ait une par là. Oui, il doit y en avoir une par là. Alors attends, non, en fait ça doit... Ah ok, non, je crois que j'ai trouvé. En fait, ça fait un peu comme un parcours. Je dois trouver en fait le chemin. Disons, je dois trouver le chemin qui mène en fait là-bas, je crois. Ou alors, ouais, ça doit être ça.
Et lui, il va monter. Non. Oui, en fait, voilà. Faut trouver le chemin. Je crois. Oh, yeah, 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 yeah. Par contre, il y en a que un ici. Oh non! Il n'y a pas de coffre. Ok. Ah, fallait que je le bute. Ah zut. Fallait que je le bute. Ouais. Fallait que je le bute. Bon, écoutez, de toute façon, je vais ressortir, je vais aller me régène, très clairement. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, on le finira la prochaine fois, de toute façon, on n'est pas loin du boss. Donc c'est ce qu'on fera en début d'épisode, et puis on se dirigera ensuite, si on y arrive, bien évidemment, vers la suite de ce qu'on a à faire. Hein. Alors là, ils ont tous respawn, hein, mais c'est pas grave, de toute façon, on aura juste ça à faire, voilà, hop, 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 terminé. Ça avait dit de passer. Et ouais, on fera ça. Et j'espère que ça ira beaucoup mieux quand même. Parce que là, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Hop, 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 hop. Vite. Faut que je me bouge. Non. Faut que je me bouge. C'est là-bas la sortie. Parce que j'ai ma potion. Je vais juste aller me régénérer ma barre de vie et puis on s'arrête là et puis on continuera la prochaine fois. Non. Bah, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Je vais clore cet épisode ici. Et bah, la prochaine fois, on reprendra ici, hein, tout simplement. Voilà. On reprendra ici. Donc, je vais aller me régénérer en off. Et on reprendra ici. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'hab, les petits likes, les commentaires, les abonnements. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite du temps, enfin, du palais du crépuscule. Ciao, ciao.